C'était chaud pour le jet des chaînes. Ouh putain, c'était chaud. C'était chaud, de gars, chaud, de gars, chaud. Ça tombait. Pouh! Pimba la botte! Ça c'est incroyable, ça peut pas être une palombe. Toujours une buse pour faire une dinguerie. Là ce soir je le sens bien. Bon après je vais pas me prendre le chou. Putain, il y a de la palombe à gogo. La seule griffe qui passe, elle passe à 150 km/h à 200 mètres de haut. Putain. Il y a du champignon les gars. Celui-là je crois que c'est fouiste assuré si tu le manges. Fouiste de 2 semaines là. Ah, un jogger. Aujourd'hui, il y a moyen que je pète plus de jogger que de grive. Après, c'est pas difficile, il suffit d'un jogger. Là, ça commence à être chaud de pas dégommer une feuille à la place d'une grive. C'est clair, quand il y a tout qui bouge, ça donne envie de tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Merde, j'ai loupé. Chier vite. Incroyable. Elle se pose dans mon arbre. Je peux même pas la tirer. Ah, voilà. Bon, ce qu'il faut se dire dans ces cas-là, quand il y en a plein posés autour, c'est que ça va attirer les autres. Chibre, putain. Pas possible, ça doit y avoir un écureuil. Ouais, c'est enculé avec le Puyo Vegas qui chante. Ah non, c'est un grain pro, je crois. Pas un Puyo Vegas, c'est un grain pro des bois. Ben incroyable, ça c'est carrément incroyable. Après tu tires une griffe là-dedans, mes couilles pour la trouver. Mes couilles 933. Je l'ai pas touché ça avec le canon. Oh putain, il y en a une. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais bon, malheureusement, je vais jamais en voir la couleur, c'est rien. C'est pas terrible le rendement aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, mais bon. Moi ça dans la... Oh putain. Vous savez quoi, je vais m'avancer un peu comme ça. Je peux les tirer parce qu'en fait là je les tire devant pour pas qu'elle tombe dans le bois. Putain, mais je suis plus con qu'un con ou quoi. Ouais,
avec le vent dans le dos, si on va dire ça comme ça. Putain. Il faut y passer toutes les munitions. Là, regarde, envoyez-moi tout ça. Ah ouais. Oh. Bon, en tout cas, j'ai trouvé un bon spot là. Bon, ben l'avantage c'est que je vais pas me casser le cul à tout vider vu que j'ai rien attrapé. C'était une petite partie de chasse à la 9 mm, à la 14. Mais ferme ta gueule! Putain, ça commence à me vénère ce portable de merde. Je vais te faire un backtrap, tu vas voir. Bon, ouais. Je me casse, putain, j'ai un plein cul, hein.